Bonjour bonjour Minecraft, on se retrouve pour l'épisode 11 de ce guide pour progresser dans ce jeu en 1.14 qui sait peut-être bientôt en 1.15, j'attends impatiemment la sortie de Optifine 1.15 pour envisager cette transition ce passage Peut-être que ce sera trop tard et qu'on passera en 1.16 directement, mais ça on en reparle plus tard. Je suis dans mon trou, euh, j'ai appelé ça un petit peu comme ça. Euh, mon trou où j'ai posé vite fait, bien fait, mal fait, surtout euh, la table d'enchantement. Euh, donc euh, voilà, vous voyez, c'est vraiment tout Rikiki, une petite table d'enchantement. Euh, voilà, bof, bof, bof. Euh, tiens, je teste euh, un truc que j'ai vu d'ailleurs sur les tables d'enchantement, j'avais jamais fait attention, mais le livre nous suit euh, quand on tourne autour de la table les pages restent toujours face à nous, comme si le livre nous regardait venir l'enquiquiner. Euh, donc quelques enclumes, quelques bibliothèques, une table d'enchantement, tout ça sur de la terre et de l'herbe. Hum, pas très sérieux tout ça, on le dire. Donc euh, bah, je vais me lancer euh, dans euh, la construction, euh, puisqu'après tout j'ai optimisé la mine. Mais regardez, ma pioche, elle n'est même pas enchantée, donc euh, voilà, c'est pas... c'est pas. c'est pas efficace, quoi, c'est pas une survie ça. Donc euh, bah, il me faut une table d'enchantement digne de ce nom euh, pour procéder à des enchantements et puis un petit peu d'XP aussi parce que je suis qu'à 16. Donc euh, bah, on va partir en, en recherche aussi de moyens de gagner de l'XP, j'en connais un très bon. Euh, on en reparle peu de temps après. Mais dans un premier temps je pense que je vais essayer euh, sans doute ici, je pense que l'endroit s'y prête, je vais vous mettre en incrustation une petite image que j'ai trouvée euh, qui m'inspire pas mal. Pour faire ce que j'ai, bah, j'ai fait une recherche sur la Wizard House, euh, la maison du sorcier. Euh, C'est sorti cette image que j'aime beaucoup. Euh, il s'agit donc d'une euh, maison du sorcier ou du magicien euh, que on peut euh, voir dans un arbre, tout simplement, dans un tronc d'arbre. Et je trouve ça euh, super sympa. Donc, on va essayer de se le faire. Euh, donc, bah, je pense que je vais vous faire tout simplement un petit time lapse. Hein. Euh, je pense que cet arbre, tout simplement, va laisser la place à euh, la maison du sorcier. Voilà, on ne sera pas trop loin euh, du reste de nos constructions. On va continuer donc à peupler un peu cette méga taïga. Euh, et puis bah, pendant que je construis, je vais aussi laisser la place à Sherlock, parce que je me rends compte, euh, on m'a posé la question hier, que je maîtrise très mal le sujet euh, de la table d'enchantement. Euh, pourquoi 30 levels, comment on les met, etc. etc. quel type d'enchantement, euh, y en a-t-il des plus ou moins bien euh, je crois que je l'avais euh, un petit peu trop survolé dans le guide pour bien débuter, qui s'appelait, l'épisode s'appelait Enchantement et Forge. Euh, ben là, on va s'en refaire un petit, je pense, euh, sur les enchantements euh, en détail. Et euh, pour cela, bah, dans les détails, on sait très bien qui est capable de vous les fournir. Ce n'est pas moi, c'est Sherlock Allez, à lui de jouer shall dear, shall dans quelle aventure technique et d'explication nous as tu embarqué les enchantements. Oh là 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 là. Quel sujet bien complexe que tu m'as soumis dans cet épisode. Je comprends car tu as beaucoup de questions et les abonnés aussi ont beaucoup de questions sur les enchantements qui ont évolué en plus au cours de l'histoire de Minecraft. Nous allons donc parler de la version euh, principalement 1.14 puisque nous sommes en 1.14. Je me suis mis euh, en créatif toujours, mais euh, en vol et en extérieur sur euh, la map du guide pour bien débuter, car tu avais parlé des enchantements dans l'épisode 9, si je ne m'abuse, qui s'appelle De la forge à l'enchantement. Et c'était effectivement très succinct. Tu n'étais pas rentré dans les détails, certes tu avais fait une très jolie maison du sorcier euh, derrière moi, mais euh, tu avais été très 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 bref. Euh, sur les euh, tenants et aboutissants de ces fameux enchantements. Comment ça marche cette magie dans Minecraft Alors euh, bah, j'ai changé d'endroit. De, Mon laboratoire commence à être petit avec toutes tes questions. Donc je me suis mis dans la première, dans le premier temple euh, que tu avais réalisé pour Buddy. D'ailleurs on n'a pas de nouvelles de lui. C'est étonnant. Je sens qu'un de ces quatre, il va nous faire aussi un petit enchantement désenchanté. Alors, du coup, je suis rentré dans le temple et j'ai un petit peu installé mes petites affaires pour te faire quelques explications, comme tu peux le voir, sur les enchantements. Et j'ai appelé ça de l'art magique dans Minecraft enchantement. Et euh, ben, je vais devoir passer en euh, survie. Euh, pourquoi euh, Parce que, hop, survival. En créatif, je ne pourrais pas faire l'étape 1 des enchantements parce que qui dit enchantement dit d'abord expérience alors vous pouvez trouver euh, dans euh, les coffres etc des objets déjà enchantés mais si vous voulez faire de l'enchantement par vous-même pratiquer l'art magique dans minecraft il vous faudra des levels alors je vous rappelle que les levels sont ici les fameux 27 là que j'ai sur ma barre. Ma barre verte se remplit de, d'expérience. Et au fur et à mesure de ce remplissage, je vais euh, accumuler des levels d'expérience. Donc là, je suis à 27 levels. Euh, chaque orbe d'expérience fait remplir un petit peu la barre. J'ai plus les chiffres exacts en tête, mais ce n'a pas grande importance. C'est les levels dont on parle très souvent quand on parle d'enchantement. Donc euh, je suis à 27 levels ce qui est plutôt pas mal. Ça monte très vite jusqu'à 10, à 20, jusqu'à 20 ça devient moyen et de 20 à 30 ça devient compliqué et au-delà, n'imaginez même pas. La vitesse est vraiment euh, décroissante. Au fur et à mesure de, des levels qui augmentent. Mais peu importe, il faut gagner cette expérience pour pouvoir faire des enchantements. Comment allez-vous pouvoir gagner euh, cette, euh, cette expérience, ces levels d'expérience Eh bien, il y a plusieurs façons. Alors, déjà, euh, je ne vous montrerai pas la façon la plus euh, commune, on va dire, mais la plus dangereuse euh, à savoir prendre une arme, pourquoi pas une épée en diamant si vous êtes déjà là et euh, tapez euh, violemment sur tout mob qui se présente et vous pourrez récupérer des petites orbes d'expérience. Première méthode. Il y en a bien entendu euh, d'autres. Je vais essayer de vous en lister à peu près toutes les possibilités pour récupérer les petits orbes, les petits globes d'expérience. Euh, donc je suis sur mon autre écran en même temps sur le euh, wiki Minecraft, hein, je vous rappelle c'est le minecraft-fr.gamepedia.com, c'est la source quasiment dans, euh, de toutes euh, les informations que je glane, plus tous les youtubeurs qui y parlent etc... Mais voilà, donc là en l'occurrence je suis dessus, donc pour les mobs, tous les mobs, y compris les animaux, vont vous ramener de l'expérience, en sachant que euh, les mobs euh, qui sont les plus durs à tuer, comme les blazes, les gardiens, les grands gardiens, les évocateurs, rapporteront jusqu'à 10 euh, points d'expérience, 10 globes d'expérience, ou 10 expériences dans un globe, dans un orbe, Ça, orbe c'est plus joli je trouve alors qu'une poule va vous rapporter de 1 à 3 par exemple. Euh, les chauves-souris, les bébés rapportent rien et les golems de fer et les golems de neige rapportent rien aussi dans ce qu'on tape. Les villageois non plus ne rapportent rien. Euh, Est-ce qu'il y en a d'autres qui vous rapportent rien Non, il n'y en a pas d'autres qui ne vous rapportent rien. L'autre façon, donc ça c'est en tapant du mob. Donc je vais ranger mon épée, on a vu cette histoire-là. On va euh, prendre l'autre façon qui est le minage. Quand vous minez du lapis lazuli, on en reparle bientôt, du charbon. Euh, quand vous minez du diamant, de l'émeraude, euh, du quartz du nether, euh, de la redstone, vous allez gagner aussi, euh, en détruisant le bloc pour récupérer le minerai qui en découle, des orbes d'expérience. Euh, c'est d'ailleurs pour cela que j'ai pris la pioche et que j'ai fait ce petit pilier, c'est pour vous montrer les fameux orbes. Mais avant de vous montrer la façon par le minerai, je vais évoquer les autres façons, euh, c'est, euh, enfin, l'autre façon, parce que je pense que c'est la. Bon, il y en a deux autres encore on va dire euh, l'autre façon assez commune et facile euh, de récupérer de l'expérience c'est par la cuisson je l'ai évoqué dans un épisode euh, sur les fours automatiques dans le guide pour bien débuter dans les derniers épisodes je vous invite à le revoir vous pouvez vous faire euh, même une usine à expérience avec la cuisson par les fours puisque les fours accumulent des orbes d'expérience que vous pouvez récupérer une fois les cuissons terminées ou même en cours d'ailleurs mais euh, voilà ça vous fait aussi de l'expérience relativement rapidement il y a un autre moyen aussi, c'est de récupérer euh, des fioles d'expérience comme celle-ci. Euh, alors c'est vendu en général par les prêtres dans les villages tout simplement, et on peut peut-être en trouver dans certains donjons, mais c'est surtout euh, via les prêtres, euh, par le commerce. Euh, la reproduction animale et la pêche aussi vous apportent de l'expérience, donc euh, bah, si vous faites une ferme AFK pêche évidemment vous allez gagner plein d'expérience facilement. Et enfin... J'en termine avec la méthode qui, selon moi, d'après mon expérience euh, pillage défense Edge of Simcraft, est la plus rentable, c'est le commerce. Le trade avec les villageois, c'est extrêmement rentable en expérience. Je vous invite à essayer, vous verrez, ça rapporte beaucoup, beaucoup. Pourtant, euh, ben, si on regarde le tableau sur le wiki, ça rapporte de 3 à 6, ce qui n'a pas l'air d'être énorme. Oui, mais c'est 3 à 6 par trade. Et quand vous allez échanger un stack de citrouilles avec un fermier, ça va vous faire l'équivalent de, je sais pas moi, une dizaine de trades. Donc 30 à 60 points d'expérience. D'où l'intérêt de focus sur le trade, à mon avis. Bon, le plus passif, ça reste la ferme à pêche AFK et la cuisson par les fours, puisque ça, ça vous demande même rien, c'est de la euh, et euh, bah, le plus simple, sans se prendre la tête, c'est de tuer des mobs ou d'aller miner. Voilà, c'est à peu près pour résumer comment obtenir de l'expérience. Et donc c'était l'étape 1 de ce sujet sur les enchantements. Une fois que vous avez acquis cette expérience, alors je vais quand même vous montrer les petites orbes. On va casser cette petite pile euh, de euh, charbon. Voilà, gentiment. Voilà, vous venez de voir une petite orbe, là, voilà, des petites orbes qui tombent. Au Sol, et puis hop, qui me saute dessus, et vous voyez ma petite barre verte a augmenté. Euh, J'espère que vous avez surveillé entre avant et après, mais elle a augmenté, je vous assure. Et en plus, au passage, j'ai quand même récupéré euh, du charbon. Voilà, et j'ai aussi abîmé euh, ma pioche parce que c'est pas le tout de vouloir enchanter. Mais avant de vous parler du comment, je vais peut-être parler du pourquoi. Euh, là, par exemple, ma pioche elle est passée en durabilité 1556 sur 1561. Vous le savez déjà si vous avez regardé le guide pour bien débuter ou si vous jouez depuis un moment, euh, vos objets vont s'user dans le temps. Et un objet en diamant va s'user moins vite qu'un objet en bois. Euh, et voilà, avec les différents métaux, euh, je fais pas le tout le truc, hein, mais euh, vous connaissez ce truc-là. Vous pouvez améliorer vos objets, par exemple, en mettant un enchantement. L'enchantement euh, solidité 3, par exemple, qui est le meilleur des solidités, va ralentir l'usure euh, de vos... Euh, hop, 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 je le cherche. De vos objets. Euh, tac, tac, tac. Solidité 3. Voilà, c'est euh, un des, des enchantements les plus intéressants. Vous pouvez le mettre sur quasiment euh, tous les objets euh, qui sont enchantables. On y revient aussi un tout petit peu plus tard. J'essaye de faire les bases, de faire après les choses simples. Et plus l'épisode va aller, plus ce sera compliqué. Je suis désolé, mais au moins comme ça, si vous n'avez pas envie de voir les choses compliquées, vous pourrez quitter l'épisode avant la fin. On va aller crescendo. Donc, solidité 3, par exemple, euh, est un enchantement que je pourrais mettre sur ma pioche pour qu'elle s'use moins vite. Euh, ce qu'on va se faire... Euh, non, on ne va pas le faire tout de suite, je vais vous montrer après. Euh, mais voilà, c'est l'intérêt des enchantements et je vous en ferai la démonstration juste un petit peu plus loin. J'aimerais d'abord vous montrer euh, comment euh, on enchante euh, de deux façons différentes. Alors, euh, on va commencer par l'enclume, parce que c'est celle qui me vient à l'esprit avec cette histoire de solidité 3. Donc, vous pouvez récupérer des livres, comme j'ai récupéré à l'instant dans un coffre. J'ai récupéré un Solidité 3. Vous en trouverez dans les épaves abandonnées, par exemple, ou dans les donjons. Vous pouvez récupérer comme ça des enchantements. Cet enchantement est stocké, on va dire, dans le livre enchanté. Comment on sait que c'est un livre enchanté Alors Regardez bien. Euh, bah, J'en ai sur moi, pardon. Là, vous avez un livre normal. Là, vous avez un livre chanté. Vous voyez bien le look. Il n'est pas le même. Quand vous récupérez un livre comme ça, il vous dit que là, il contient Solidité 3. Je pourrais donc l'appliquer sur ma pioche pour qu'elle soit plus résistante euh, aux dommages. Donc je vais casser euh, juste... Alors... Toutoum, non, je vais récupérer un autre enchantement en même temps. Je voudrais montrer les deux en même temps. Mais je crois que je ne l'ai pas pris. Euh, je vais me le donner. <laughs> je vais me le donner. Hop, tout simplement. Donc c'est un enchantement bien connu de tous les joueurs. Puisque c'est à peu près celui que vous espérez avoir très rapidement. Alors hop, enchantbook. Ah, comment je fais l'effet le, On va repasser en créatif, ce sera plus simple. Je ne vais pas chercher deux heures une commande. Je n'ai pas à Wicax sous la main. Voilà. On repasse ici. Là, on va taper. Donc le nom de l'enchantement, c'est Fortune. Donc il y a trois niveaux de fortune. Et évidemment, le Fortune 3 est génial. Il va augmenter votre niveau de... De loot en fonction de ce que vous allez miner, par exemple. Donc, si je mine du charbon, on va le voir tout de suite, je vais euh, miner plus de charbon et, euh, et donc avec solidité euh, en usant moins ma pioche. Ah, si, j'en ai un autre aussi, pardon, avant de repasser en survie, que je veux vous montrer. La, la pioche quasi parfaite. Hein. Hop, efficacité 5. Voilà, ça c'est un autre enchantement que vous allez rechercher obligatoirement. C'est pour vous, faire un peu le, vous montrer l'intérêt des enchantements. Hein, parce que sinon, tout, tout le reste de l'explication n'a pas d'intérêt si euh, vous n'avez pas d'intérêt à enchanter vos, euh, votre pioche. Et euh, je crois que j'ai déjà préparé euh, l'autre. Il s'appelle. Hop Raccommodage. Mais celui-là, on va le mettre en deuxième. Euh, il me faudra aussi. Voilà. J'ai mis un peu tout ce qu'il me fallait dans ce coffre. Donc, on est parti. Voilà. Je suis équipé pour vous montrer l'intérêt euh, de d'enchanter vos objets. On va euh, parler de la table d'enchantement évidemment en dernier, euh, mais euh, on va d'abord parler de l'enclume. Alors l'enclume, pour rappel, ça se fait avec 4 lingots de fer et 3 blocs de fer. Et les blocs de fer avec 9 lingots de fer. Donc 9 x 3, 27, 28, 29, 30, 31. Vous pouvez vous faire une enclume dès que vous avez miné 31 lingots de fer. Une fois que vous avez cette enclume, euh, pardon, je ne suis pas repassé en survie. Pouf. Vous la prenez et vous allez la poser quelque part. On va se la poser entre les deux. Ce sera très bien. Voilà. A euh, noter avec l'enclume, juste pour l'anecdote au passage, elles sont soumises à la gravité. Voilà. Elles tombent. Et si elles vous tombent dessus, elles vous font des dégâts en plus. Ouais, c'est assez logique. Voilà. Ça, c'était pour la petite parenthèse. Donc. Comment utilise-t-on une enclume quand on parle d'enchantement Eh bien c'est tout simple. Vous allez prendre votre objet à enchanter. Donc là, ma pioche en diamant. Il euh, faudra que j'en récupère une autre pas enchantée pour bien vous montrer. Mais on va faire ça après. Vous voulez lui appliquer solidité 3. Vous le placez ici. Donc ça fait bien la pioche plus le livre enchanté solidité 3. Ma pioche prend un aspect enchanté, c'est-à-dire brillant, luminescent. Euh, voilà, euh, oui, j'ai pas d'autres mots pour le décrire, et euh, elle deviendra pioche en diamant solidité 3. Ça va me coûter 3 euh, petits euh, levels d'expérience quand même, donc euh, pas négligeable, mais ça vaut le coup. J'en ai mis un. Je peux en mettre deux, et eh oui, donc je vais mettre Fortune 3, et là vous voyez le prix augmente. Plus votre pioche est déjà enchantée, plus la surenchantée va vous coûter cher. Donc attention, il va falloir apprendre à gérer tout ça. Alors je veux qu'elle soit aussi super efficace, donc voyez, on est passé à 8. Et euh, dans l'absolu, je voudrais qu'elle se répare toute seule. Voilà, cet enchantement-là, c'est le plus recherché, c'est le fameux mending en anglais, raccommodage en français. Euh, c'est l'enchantement le plus recherché, car votre pioche, en plus d'être solide, à chaque fois que vous allez gagner des petits arbres d'expérience, ils vont être attribués à la pioche pour l'auto-réparer ça va la raccommoder automatiquement. Ce qui fait que vous avez une pioche quasi infinie. Euh, pas besoin de se casser la tête. Alors par contre, ça a un inconvénient. C'est-à-dire que euh, vous avez euh, mis l'orbe pour réparer la pioche, donc vous ne l'accumulez plus dans votre barre d'expérience. Mais ça se gère relativement facilement. Je ne suis même pas sûr de pouvoir l'appliquer. Ah si, j'ai encore 9. Ah ben j'ai pile ce qu'il fallait d'expérience. Voilà. Donc là, j'ai pour moi la première pioche parfaite à obtenir dans le jeu, en survie. Solidité 3, fortune 3, efficacité 5 et raccommodage. Là vous avez une pioche juste euh, idéale, elle se répare toute seule, elle mine vite avec efficacité 5, elle s'use moins vite, même si vous minez des choses euh, où il n'y a pas d'expérience qui en sort, parce que ça ne marchera qu'avec les minerais donc, que, qui rapportent de l'expérience, raccommodage. Euh, même si vous faites ça, eh bien elle s'usera moins vite. Et euh, j'ai mis quoi dessus et fortune va me permettre de looter plus de charbon que si j'étais en pioche normale. Par contre, je crois que je n'ai pas gardé une autre pioche normale. Non. Alors ça c'est plus simple par contre de me la give. Hop. Je vais me give. Hop. Une petite. Diamond. Diamond, diamond, diamond. Diamond. pickaxe Voilà. Voilà. On a deux pioches. Une qui est idéale et une qui est... Normale. Juste une pioche en diamant. On va faire un truc pour vous montrer l'intérêt d'enchanter euh, vos outils. Euh, donc je vous montre avec ça, je ne vais pas vous montrer avec chaque enchantement parce qu'il y a des combinaisons assez infinies je trouve. Ça devient compliqué, on va en reparler tout à l'heure, on va basculer sur le wiki pour que je vous montre un peu tous les enchantements qui existent. Dans un premier temps, quelle est l'utilité d'un enchantement On va miner ici donc 3 par 3 par 3 blocs euh, de charbon et vous allez voir donc ma barre d'expérience ce qu'elle va gagner. Donc là, on voit, hein, elle est à, euh, à peu près au deuxième gigot, presque au, au début du troisième. On va voir où elle en sera à la fin. Et la vitesse que ça va prendre. Donc là, il est, euh, voilà, on est à 15 minutes 46, à peu près, 50, disons, quand je vais commencer. Euh, hop, c'est parti. Voilà, donc les petites orbes d'expérience de, me tombent dessus. Ça, on a bien compris comment ça marchait. C'est relativement lent euh, de euh, miner ces blocs. Hein. Euh, j'ai commencé à 51 pour être précis. Euh, je regarde mon écran en même temps que je mine. Je suis déjà à 16,06. Donc 51 ça fait 9. Plus 12 maintenant secondes. Plus 16 secondes. Hop. Voilà. Plus 20 secondes. Donc j'ai mis 29, disons 30 secondes à peu près à miner mon 3 par 3 avec une pioche standard. On voit que j'ai pris deux levels, donc c'est pas mal. Alors ça va fausser, puisque comme je vous ai dit, plus les levels augmentent, plus ça ralentit la, la progression, donc c'est pas très parlant. C'était juste pour vous montrer que 9 blocs de charbon au tout début du game vont vous rapporter quand même 2 levels d'expérience, c'est pas négligeable. Alors, maintenant on est en efficacité 5. Ah oui, et puis, pardon, j'ai récupéré 32 charbons. Euh, je devais déjà en avoir 1, 2, 3, 4 de l'autre, mais on va dire 32. <laughs> c'est pas très grave, on va pas chipoter. Donc là, je vais essayer de commencer à 17 secondes. Voilà, c'est parti. Alors déjà, vous voyez que je vais beaucoup plus vite. Hop, 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 hop. L'efficacité 5 au travail. Vous allez voir, ça va vite. Voilà, c'est réglé, j'ai récupéré tout. Je suis à 5 levels d'expérience. Et euh, on est à 17-20. Donc, euh, j'ai dû mettre à peu près 15 secondes, donc moitié moins de temps, on va dire, euh, à le faire. On regardera dans l'efficacité 5, ça doit être expliqué sur le wiki, euh, ce que ça donne. Et je suis à un stack plus 4. Donc, si on oublie les 4, on va dire que c'est ceux que j'avais d'avance. J'ai pris un stack, là où tout à l'heure, euh, bah, j'avais un demi-stack. Donc, Fortune 3 est très rentable, multiplie quasiment par 2, euh, ce que j'ai looté. Et comme je suis en raccommodage... Du coup, ma pioche ne s'est pas usée puisque j'ai pas pris tous les levels que j'aurais pris. Certains ordres d'expérience ont servi, vous, vous le voyez, à remettre ma pioche à zéro. Elle n'a plus de durabilité affichée donc elle est en parfait état. Voilà l'intérêt des enchantements. C'est pas mal quand même. Alors, avant de continuer sur comment enchanter avec une table d'enchantement, c'est l'autre façon. Donc là, vous avez compris, je résume. Si vous trouvez des livres déjà enchantés, vous vous fabriquez une enclume, il vous faut juste du fer. Et vous allez pouvoir appliquer euh, les enchantements euh, récupérés, lootés, euh, via des livres enchantés sur vos outils, armes, armures, etc. Alors, avant d'aller sur internet vous montrer tous les enchantements, je vous montre juste rapidement tout ce qui peut s'enchanter. Donc, les outils, tous. Alors là, je vous ai montré que ceux en diams, mais euh, évidemment, ça s'applique aussi au bois, fer, or, etc. Idem pour les armures, tout ça, ça s'enchante. Et vous pouvez aussi enchanter des livres. Voilà, donc on a vu, euh, et puis ça, ça s'enchante, mais c'est un peu particulier, pas avec la table d'enchantement, uniquement en appliquant des livres. Voilà, les houx et les cisailles. Je crois que ça s'applique aussi au bouclier, mais j'ai un petit doute. Voilà, on reviendra dans ce coffre. De toute façon, il y a encore d'autres choses dont on a besoin. Donc ça, c'est des livres enchantés pour vous faire un petit peu quelques démonstrations. Euh, voilà, donc là on va basculer, euh, avant de revenir en jeu sur Internet, le temps de regarder un petit peu sur le wiki euh, tout, si, tout ce qui se dit sur les enchantements, avant de voir comment enchanter. Voyons rapidement, si possible, tous les enchantements possibles. Vous allez voir, il y en a une flopée, et je vous invite à aller regarder vous-même. Allez, on se retrouve sur Internet, sur le wiki officiel Minecraft. Et donc nous voilà sur GamePedia Minecraft. Je rappelle l'adresse, hein, Minecraft-fr.gamepedia.com. Euh, je vais activer, tiens, le petit utilitaire que j'ai euh, récupéré il n'y a pas très longtemps pour euh, éventuellement vous dessiner sur l'écran euh, différentes euh, choses. Voilà, donc là je suis arrivé, je suis resté sur la page expérience, on vient d'en parler, comment gagner de l'expérience. Euh, tout est expliqué là avec euh, les détails de ce que je ne vous ai pas détaillé. <laughs> je vous invite tout simplement à aller voir ce wiki. Euh, voilà, vous voyez par exemple que monter d'un niveau, eh bien, voilà, il faut accumuler un certain nombre d'expériences et que l'expérience à accumuler est de plus en plus haute pour monter jusqu'au level 40 par exemple. Vous avez une courbe qui vous montre la difficulté par exemple. L'expérience voilà. accumulée est de plus en plus haute mais la vitesse elle n'augmente pas au contraire elle, euh, elle stagne à un moment. Voilà, donc je vous laisse lire tout ça, c'est pas très intéressant en soi, euh, on le subit plus qu'autre chose, donc pas besoin de détailler. Donc ça c'est la page expérience du wiki, on va pouvoir basculer sur la page enchantement. Ah oui, alors si je passe vite fait sur la page enclume, juste pour vous montrer hein, qu'il y a une page qui vous explique aussi l'utilisation euh, de l'enclume. Voilà, euh, c'est pas le sujet, donc je ne vais pas euh, détailler, je vais même refermer cette page. Voilà, expérience, on en a parlé, je la referme également. Table d'enchantement, on en parle plus tard. On va d'abord faire le résumé des enchantements qui existent. Alors, il y en a beaucoup, euh, je vais essayer de parler de certains, mais pas de tous, euh, parce que, voilà, la liste est relativement longue, c'est pas non plus... Euh, enfin, voilà, il y en a pas mille, hein, mais euh, il y en a des plus ou moins intéressants euh, à vous de voir après ce que vous voulez, sachant que tous les enchantements ne s'appliquent pas à tous les objets. Il y a plein de petites subtilités. Mais, donc, par ordre alphabétique, ça commence avec l'affilage qui augmente les effets euh, à des cibles voisines. Donc, vous tapez sur plusieurs cibles en même temps avec une épée, par exemple vous avez l'affinité aquatique qui, ralentit, qui supprime le ralentissement du minage sous l'eau. l'agilité aquatique augmente la vitesse de déplacement sous l'eau. l'apnée augmente la durée de l'apnée sous l'eau. je pense que vous savez lire et que je vais arrêter de tout lire. donc je vous invite à aller voir tout ça. vous allez retrouver le fameux fortune. il doit être ici. vous allez retrouver toucher de soi aussi dans ceux à connaître tranchant pour les épées et raccommodage. non? On n'en parlera jamais assez. Recul, j'aime bien. Solidité, évidemment, indispensable. Euh, les protections. Alors, la protection de base au euh, niveau 4 est déjà très 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 bien. Ah oui, euh, parlons-en des niveaux. Il y a des niveaux pour certains enchantements. Certains sont bloqués au niveau 1, comme Canalisation, qui fait tomber la foudre sur la créature ou le joueur ciblé sur un, quand on tire avec un trident. Ça s'applique à un tri cet enchantement là. Il n'a qu'un seul niveau. Bah oui, on fait tomber la foudre qu'une fois, pas deux fois. Donc, quoique ça aurait pu, mais c'est comme ça. Flamme aussi, par exemple, met la cible en feu si vous me mettez sur une épée. Infinité ne s'applique, s'applique sur un arc et euh, permet de tirer des flèches sans en consommer. Il y a qu'un seul level. Voilà. Il y en a comme ça qui euh, sont euh, avec un seul level. Et évoquons aussi, euh, je viens de les voir, malédiction du lien éternel et malédiction de disparition qui sont des enchantements négatifs. C'est à dire que le lien éternel, si vous mettez ça sur une armure, vous ne pouvez plus enlever l'armure. Peut être gênant si elle vous plaît pas tant que ça. Et euh, le malédiction de disparition détruit l'objet à la mort du joueur. Si vous voulez le récupérer, c'est foiré. Mais bon, des fois on trouve des objets qui portent ces malédictions-là, mais qui ont raccommodage par exemple. Donc euh, difficile de résister à quand même prendre un raccommodage malédiction de disparition. Il ne devrait pas disparaître avec raccommodage, donc avec un peu de chance, vous allez pouvoir le faire durer. Voilà, un petit clin d'œil à, à le Jeff qui est très fan de chute amortie dans Edge of Simcraft. Je vous laisse voir ses vidéos sur sa chaîne Twitch ou euh, sa chaîne YouTube en live et rediff de live. Donc ça, c'est tous les enchantements. Donc je referme cette page. Alors ça, c'était le guide pour me rappeler dans quel épisode on en avait parlé déjà. Euh, là, c'est euh, les bibliothèques. On s'en fout. On va revenir sur la page enchantement. Nous allons donc citer Notch, comment fonctionne l'enchantement dans Minecraft Eh bien, vous ouvrez un livre magique et choisissez un sort au hasard, n'étant pas sûr de ce qu'il fera, c'est la magie. C'est ce qu'il a dit au tout début, mais ça a beaucoup évolué depuis et on va en reparler. Je me rends compte que j'ai toujours le son du jeu derrière, vous devez entendre du vent c'est un nouveau mode que j'ai découvert grâce à Chucky qui joue avec nous à Edge of Thingcraft des Gentlemen of Craft. Et, euh, et du coup, je teste ce mode de son ambiant que j'aime bien, a priori. Mais euh, même sur Internet, je l'ai encore. Alors, les enchantements. Revenons à notre sujet. Les méthodes d'enchantement, on vient de voir l'enclume. J'ai évoqué récupérer des objets enchantés. Il y a quelques autres méthodes, mais qui sont pas euh, disponibles en survie, donc je ne vais pas en parler. Moi, je vous donne des explications pour la survie. Euh, donc, récupérer des objets enchantés. Hein. Euh, là, il y a les détails. Donc, euh, pêchant. Ah oui, j'ai oublié de dire que. Oui, mais ça, vous le savez. Vous avez regardé l'épisode sur la FK pêche. Vous savez que c'est pour récupérer des livres enchantés. Non, vous l'avez pas encore vu. Bon, ben, je vous invite à aller le voir. Vous voulez que je vous montre quel épisode c'est Alors, euh, on cherche un petit peu. Normalement c'était celui où je parlais de la triche. Je sais même plus moi-même, mais il est venu le temps des récoltes. Tricher n'est pas joué, voilà, vous regardez l'épisode 18 du guide pour bien débuter, vous verrez comment fermer une ferme à pêche et récupérer donc des livres enchantés, mais de façon très 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 très, très simple. Limite tricher pour certains, d'où le titre de l'épisode. Donc, euh, la pêche, les achetant à un villageois, oui alors oui, les libraires aussi vendent des livres enchantés, je les avais oubliés cela. là et euh, vous pouvez parfois en récupérer, mais c'est très rare sur les loots de mob et euh, dans certains coffres. Voilà. L'enclume, donc on vient de le voir, permet donc d'appliquer de, euh, des enchantements via un livre sur un objet. Donc voilà, bah, ça on va pas revenir dessus. Et on va retourner tout à l'heure en jeu pour euh, voir du coup euh, la table d'enchantement. Donc pour euh, utiliser la table d'enchantement, c'est expérience plus la piste, on en reparle, un objet non enchanté, ça ne marche pas d'enchanter un objet enchanté. Euh, et euh, ça ne marche pas pour enchanter les cisailles, les houles, les briquets, les carottes sur un bâton, les boucliers et les élitras, les élytres, pardon. Euh, pour cela, il faudra utiliser l'enclume. Voilà, je crois que j'ai bien résumé le wiki, qui n'est pas très long sur le sujet, donc on peut fermer cette page-là. Là, il Là, y a la table d'enchantement, mais pour ça, on va repasser en jeu, parce que ce sera beaucoup plus simple euh, visuellement de vous montrer comment ça marche. Allez, on retourne à la table d'enchantement. Et c'est parti donc pour la table d'enchantement qui est juste derrière moi sur la gauche de l'écran. Euh, euh, ce fameux objet un petit peu particulier et euh, j'ai découvert en faisant cet épisode qu'il a une particularité que j'ignorais. C'est regarder l'orientation du livre. Elle change en fonction. Il nous suit. Il nous suit du regard. Oui, oui, Olshaldir, tu n'as pas rêvé. Tu l'as évoqué en introduction. Mais oui, oui, oui. Euh, le livre nous suit. Il fait même un 360, s'il vous plaît. C'est une vraie chouette ce truc. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est pour la petite anecdote aussi. Maintenant, la table d'enchantement. Bah déjà, comment on la fabrique Eh bien, c'est un objet qu'on a évoqué dans l'épisode 50 du guide pour bien débuter, puisque c'est souvent un des objets que vous voulez obtenir rapidement en survie, d'où l'effort d'essayer de le trouver en 50 minutes, mais c'est pas si simple, parce que vous devez trouver de l'obsidienne, deux diamants et un livre. L'obsidienne, je vous rappelle, ça s'obtient euh, en mouillant de la, de la lave et en la minant avec une pioche en diamant. Donc ça veut dire que déjà, vous devez avoir trouvé au moins 3 diamants pour vous faire une pioche, plus 2 diamants pour vous faire la table d'enchantement, ça fait déjà 5 diamants minimum, 4 euh, blocs d'obsidienne, donc à miner avec votre pioche en diamant, et un livre. Et le livre, on l'a évoqué dans plusieurs épisodes, il vous faut du papier, et pour faire du papier, il vous faut... 3 cannes à sucre, vous comprenez l'intérêt dans les épisodes précédents de faire une ferme à canne à sucre. Bon, la ferme n'est pas obligatoire, mais déjà récolter euh, donc suffisamment de cannes à sucre, on va faire le compte. Pour obtenir un livre, il vous faut 3 papiers. Donc 3 fois 3 cannes à sucre, ça fait 9 papiers déjà, pour faire un seul livre, et euh, une euh, une peau, un cuir. Voilà, je cherchais le nom. Donc il vous faut tuer une vache pour récupérer son cuir. Ça marche aussi avec les lamas, parfois les chevaux, je crois, pour récupérer du cuir. Mais bon, en général, on tue une vache pour récupérer ce fameux cuir et avoir ce premier livre. Ce seul livre indispensable pour faire une table d'enchantement. Donc, 3 x 3 cannes à sucre, 9. Vous en récoltez 9, vous récoltez un cuir, vous pouvez enfin faire votre livre. Vous récoltez euh, 4 obsidiennes, euh, 5 diamants au total. Donc 3 pour récolter les 4 obsidiennes, je répète. Et vous allez enfin pouvoir build votre table d'enchantement. Waouh On a obtenu de l'XP on a éventuellement déjà une enclume, mais on va pouvoir enchanter avec une table d'enchantement. Et là, ça devient de la vraie magie, n'est-ce pas, notch Étape 2, une table d'enchantement. Ou une enclume plus un livre. On a déjà vu l'enclume et le livre, je n'y reviens pas. La table d'enchantement, comment elle fonctionne bah, C'est un objet comme l'établi, euh, c'est-à-dire la table de craft. Euh, vous cliquez dessus, clic clique droit, et vous obtenez une interface particulière. Une case ici. Une autre case là avec un petit logo bah, qu'on connaît euh, parce qu'on on voit bien cette silhouette, je l'ai là, euh, c'est le euh, lapis lazuli. Euh, tout simplement, on voit bien que si on a du lapis lazuli, il doit aller dans notre table d'enchantement. Hop, on le met ici et effectivement, ça, 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 ça s'habille bien euh, dans la silhouette. Il vous faut donc du lapis lazuli pour enchanter vos objets avec une table d'enchantement. Encore un item à farmer. Je vous dis, l'enchantement, le chat dire, tu nous as mis dans un truc compliqué. Il faut du diamant, il faut de l'obsidienne, il faut du cuir, il faut de la canne à sucre. Et maintenant, du lapis lazuli. Ouh, eh ben, ça va bien occuper vos débuts de partie en survie, je crois. C'est le cas d'à peu près tout le monde, je vous rassure. Donc, une fois qu'on a une table d'enchantement, du lapis lazuli et un objet à enchanter. Euh, ah, j'ai fait quoi de ma pioche Mince, je l'ai rangé. La pioche pas enchantée, voilà, je vais la récupérer. Je vais ranger la enchantée d'ailleurs. Euh, non, on va pas enchanter une pioche, vous avez déjà vu comment ça marche. On va enchanter une épée plutôt. Tiens. Voilà. Hop. Par contre, j'ai que 5 levels, ça va être compliqué. J'ai pas d'expérience. Mais bon, c'est pas grave. Pour vous expliquer, ça va suffire. Donc, la table d'enchantement, je dois y placer au moins un, la piste Lazuli, et un objet à enchanter. Voilà. Donc, que se passe-t-il à partir du moment où j'ai rempli mes deux cases J'ai un objet enchanté, il ne doit pas être enchanté lui-même. Il peut être en bois, en fer, en or, en diamant ou en pierre, voilà, peu importe. Et je vais pouvoir lui appliquer des enchantements. Et comme dit Notch, bah la magie c'est que vous ne savez pas ce qui va arriver exactement. Alors, depuis la 1.8, je crois, euh, c'est un petit peu faux, puisqu'on nous dit quand même un enchantement de base. Ici par exemple, je sais que si je clique sur cette case-là, je vais appliquer tranchant 1 sur cette ligne-là, pardon, tranchant 1 à mon épée. Ça va me coûter 1 level d'expérience, un niveau d'enchantement, voilà, et une unité de lapis lazuli. Là, il me faut deux unités, vous voyez, c'est en rouge. Bah oui, j'en ai mis qu'une, c'est normal. Là, il m'en faut trois, c'est pareil, j'en ai mis qu'une et ça va me coûter aussi euh, deux niveaux d'enchantement et trois niveaux d'enchantement. Ça c'est un enchantement de niveau 1, ça c'est un enchantement de niveau 4 et ça c'est un enchantement de niveau 5. C'est important parce qu'évidemment les meilleurs enchantements sont de level 30. C'est le maximum. Donc déjà, si je mets mes trois lapis, vous voyez que j'ai déverrouillé mes trois lignes. OK. Mais je suis limité au level 5. C'est pas terrible, tu viens de dire que c'était 30 le maximum. Effectivement, et c'est là qu'intervient l'autre bloc très important qui est là à savoir les bibliothèques. Et j'ai oublié de vous faire le petit panneau pour vous montrer de quoi on fait une bibliothèque. Alors, on va le faire tout de suite ensemble, parce que ça aussi, vous allez voir, ça a un coût relativement élevé. Alors, on va se mettre juste ici. Ah bah oui, Mais si je suis plus en créatif, ça ne va pas marcher. Hop. Tac, on va se remettre en créatif le temps de faire ce petit bloc, comme ça vous voyez comment je prépare mes petits panneaux explicatifs. Ça prend un temps fou, hein, vous n'imaginez même pas. Je suis depuis plusieurs heures sur cet épisode et euh, ben j'espère qu'il va vous être utile parce que <laughs> vu le temps que j'y passe, faut au moins que ça serve à quelque chose. Euh, il me faut donc pour faire une bibliothèque. Il va vous falloir des planches, peu importe lesquelles, il vous en faudra 6. Je cherche où sont les planches. Je ne vais pas chercher longtemps parce que je suis flemmard. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6 planches. On va les prendre de suite. Et il vous faut 3 livres. Oui, 3 livres. Vous imaginez ça, vous 3 livres. C'est quand même hallucinant. Hop. On va les récupérer ici. Ah, ben bah, j'en avais déjà. Euh, et donc, comment on fait pour faire une bibliothèque On met une planche, deux planches, trois planches, quatre planches, cinq planches, six planches. Oui, il s'est compté jusqu'à six, il n'est pas trop nul. Là. Et vous mettez trois livres au milieu. Voilà, ça vous fait une bibliothèque. Et la bibliothèque, ça ressemble donc à ça quand c'est fait. Tout simplement. Hop, je vais vous faire le même principe que j'ai fait sur les autres pour respecter mon petit pattern. Voilà. Donc, ça c'était pour faire un livre, ça c'était pour faire du papier. Et là, vous avez comment faire une bibliothèque. Et là, l'enclume et euh, la table d'enchantement. Une fois que vous avez vos bibliothèques, vous allez pouvoir entourer euh, le, euh, la table d'enchantement. Et ça va vous faire gagner euh, des niveaux euh, d'enchantement. Là, je ne parle pas de, des niveaux d'enchantement à dépenser, mais bien du level euh, de l'enchantement. Les fameux euh, 5 qu'on avait tout à l'heure et jusqu'à 30. Comment on obtient le 30 eh bien, Il faut mettre un certain nombre de bibliothèques. Alors, déjà, on va remettre 1, 2, 3. Et vous allez voir, là, je vais mettre une épée. Hop, et vous voyez là j'ai level 30, et au level 30 j'ai tranchant 3, alors que si je reprends le sans les bibliothèques, 1, 2, 3, j'avais seulement châtiment 1, level 5, tranchant 3, châtiment 1, vous vous doutez bien qu'il y en ait un qui est beaucoup mieux que l'autre. Tranchant 3 est beaucoup plus intéressant euh, que châtiment au level 1. Mais pas magique non plus, enfin pas si génial que ça pour euh, juste l'anecdote sur ce, hein, cet enchantement là. Mais voilà, vous avez compris, si j'ai suffisamment de bibliothèques autour de ma table d'enchantement, disposées d'une certaine façon, enfin en respectant certaines règles, je peux atteindre le level 30. Ça me coûte toujours 3 levels, ça me coûte toujours euh, 3 lapis lazuli, mais je vais enchanter au level 30. C'est donc les meilleurs enchantements du jeu en général il y a des subtilités euh, qui vont pouvoir être exploitées. Donc là, j'ai mis par exemple seulement 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bibliothèques, on va faire le test, on va voir quel level on a avec 9 bibliothèques et après je vous dis quel est le meilleur nombre. <laughs> tranchant 2, level 18 avec 9 bibliothèques. Alors c'est mieux que le level 5 mais c'est toujours moins bien que tranchant 3, level 30. Comment j'ai obtenu le level 30 avec 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et donc 15 bibliothèques pour obtenir le level max autour d'une table d'enchante. Quelles sont les règles maintenant de disposition C'est essentiel de vos bibliothèques quand vous en avez 15. Eh bien, elles ne doivent pas toucher à votre table d'enchantement. Donc il doit toujours y avoir un bloc d'air entre la bibliothèque et la table d'enchantement. Donc là, vous le voyez, hein, clairement, je peux circuler tout autour, il n'y a pas de souci. Elles ne euh, doivent pas non plus être euh, à 3 de haut. Euh, si c'est ici, cette bibliothèque-là ne sert à rien. Donc euh, voilà, vous pouvez oublier 2 maximum. Ensuite, euh, pareil, même en, quand vous êtes à 2, euh, il faut euh, être à un bloc d'air de la table d'enchantement en diagonale également. Voilà. Euh, donc, deux maximum de hauteur, un bloc d'air tout autour, pas de torche. Euh, C'est une astuce d'ailleurs pour euh, éventuellement limiter une table d'enchantement qui est à 15, bibliothèque. Si je mets une torche ici, par exemple, hop, je vous fais la démonstration, ce sera beaucoup plus parlant, et que je mets mon épée j'ai été limité au level 28. Pourquoi Parce que j'ai désactivé cette bibliothèque-là. Donc là, je n'ai plus 15, mais 14 bibliothèques. Ah ouais, ça devient subtil et compliqué. Je vous avais dit, plus ça va aller, plus ce sera compliqué. On va retourner tout à l'heure sur Internet, je vous montrerai exactement les chiffres à retenir ou à étudier si vous souhaitez les étudier. Je ne développerai pas plus. La plupart du temps, vous vous contenterez de faire 15 bibliothèque autour de votre table d'enchantement pour pouvoir euh, enchanter au level max. Mais parfois, il semblerait que ça puisse être intéressant, paf, de euh, bloquer une partie euh, de l'influence des bibliothèques pour ne pas enchanter au level 30. Histoire de statistiques sur les probabilités d'avoir tel ou tel enchantement, si j'ai bien compris. Et là, je vous avoue, et oui, Olchaldir. Je te l'avoue, non, je ne détaillerai pas les statistiques et les probabilités sur les enchantements. Tu me regardes bien dans les yeux, non, je ne le ferai pas. C'est trop laborieux. Mais et, et puis en plus, franchement, moi j'enchante tout level 30. Je me pose pas la question. Et je prends mes meilleurs enchantements, et hop, emballé, c'est pesé. Alors, je disais donc, on va aller sur Internet voir un petit peu les détails techniques si jamais vous voulez creuser la question, euh, mais je vais d'abord résumer rapidement euh, ce qui vient d'être dit. Euh, L'idéal est donc de récupérer votre table d'enchantement, de l'entourer de 15 bibliothèques de cette façon, ou de cette façon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà, il n'y a pas de disposition parfaite. Évidemment, si vous voulez faire dans l'esthétique, euh, si vous en mettez plus, ça n'a pas d'impact. Ça va vous juste vous coûter un max en ressources, mais si vous voulez faire un truc un peu joli, vous pouvez très bien faire un truc comme ça. Euh, voilà, ça fait une bibliothèque fermée, c'est quand même euh, éventuellement plus esthétique. Mais là, c'est pas obligatoire. Le minimum du minimum, c'est 15, et vous pouvez les disposer également comme ça. Et euh, j'ai déjà vu euh, ce genre de, de décoration, par exemple, pour faire une salle d'enchantement. Un truc tout simple, euh, là, pour faire du build enchanté, de vous connaître. Hop Tac, tac, et voilà. Vous avez un petit truc, vous mettez un toit au-dessus et hop, 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 vous avez votre euh, euh, salle d'enchantement euh, optimisée et optimale. Voilà, donc ça c'est pour le fonctionnement. Je vais revenir avant d'aller sur... Non, je vais, on va aller sur Internet hein, pour bien voir jusqu'au bout les, le fonctionnement. Et euh, je reviens juste pour euh, parler des deux trois petits détails qui restent à dire sur les enchantements et on aura fait je pense à peu près le tour de la question, le seul dire tu pourras reprendre ta survie et faire ta belle euh, salle d'enchantement comme tu l'entends en ayant toutes les armes en main. Donc un petit tour sur le wiki à nouveau pour vous montrer euh, le wiki est un autre site aussi pour vous montrer les petits détails techniques des enchantements. Voilà, sur la page table d'enchantement du wiki, euh, on se retrouve aussitôt. Donc, bah, ça récapitule ce que je vous ai dit. Hein. La table d'enchantement se build ainsi. Euh, la table d'enchantement fait trois quarts de bloc. Elle ne fait pas un bloc plein. Euh, elle a des petites particularités, ça je vous laisse lire tranquillou. Euh, donc, l'enchantement coûte, le, coûte des points d'expérience et également du lapis lazuli. On va y revenir juste pour conclure, juste après. Et les fameuses bibliothèques. Euh, voilà, je voulais venir sur ce site surtout pour vous montrer ça. C'était plus parlant, je trouve, que de poser ma torche en jeu. Euh, voilà le placement des bibliothèques. Donc tout ce qui est rouge, c'est pas legit, ça marche pas, c'est interdit. Donc euh, si vous êtes à plus de deux blocs, ça ne marche pas. Si vous êtes à moins de deux blocs, ça ne marche pas. Et si vous mettez une torche dans le bloc d'air qui euh, fait la table d'enchantement, la bibliothèque regardez votre table d'enchantement et vice-versa, ça, ça euh, bloque. Voilà, c'est un peu plus visuel avec ce petit schéma, je trouve, qu'avec euh, ce que je vous ai montré in-game. Donc ça, c'est pour la table d'enchantement. Euh, pour la bibliothèque, je vous disais qu'il y avait une sorte de chiffre. Bah, D'ailleurs, ils nous ont remis les, le petit euh, schéma. Bah, il est différent là. Là, vous avez donc les dispositions valides. Ça, c'est pas valide, ça, c'est pas valide, et ça, ça bloque aussi. La fameuse torche qu'on met entre une bibliothèque et une table d'enchantement pour bloquer. Pourquoi il me parle du pupitre là Ah oui, parce que les bibliothèques servent à fabriquer les pupitres aussi. Mais ça, on en parlera dans un autre épisode, si ça vous intéresse. Donc, moi, je voulais venir sur cette page pour ceci, ce tableau. Euh, le nombre de bibliothèques, vous voyez, de 0 à 15, va donc mettre le minimum d'enchantement. Donc, c'est ce niveau 1 d'enchantement. Enfin, c'est pas le niveau 1, mais le, la première ligne d'enchantement va être donc euh, le niveau minimum 1 à 2 maximum. Si vous avez 15 bibliothèques. Et vous voyez, ça change qu'à partir de 9. C'est pour ça que j'avais mis 9, non maintenant. Non. In-game. Si par contre, en bas, ligne du bas, euh, vous allez de 0 euh, bibliothèque, vous pouvez aller maximum au 8. Level d'enchantement 8. Et si euh, vous en avez 15, donc level d'enchantement 30, les meilleurs euh, enchantements possibles. Donc, bah, les solidités 3, les tranchants 4 et 5, etc. etc. Euh, voilà. L'intérêt de mettre des bibliothèques autour de la table d'enchantement. Ça, c'est vu aussi. Ça, c'est toujours le guide pour bien débuter. Je vais vous parler euh, d'un autre site. En plus, à Wicax, qui contribue, donc j'ai plaisir à vous parler de ce site-là. Euh, c'est le site fr-minecraft.net. Alors, désolé pour les pubs, j'ai pas bloqué les pubs chez eux parce que je leur donne un peu de sous comme ça. Ils ont fait un article justement sur euh, la difficulté à cerner les enchantements. Alors, je vous laisserai lire l'article. Euh, ça s'appelle Optimiser ses chances d'enchantement. Il y a une histoire de courbe. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait carrément un outil. Euh, vous l'avez sur leur menu à gauche, Calcul d'enchantement, euh, qui va nous emmener sur un Craft Tools. C'est cet outil-là. Voilà. Sur Minecraft Tools. Et euh, qui va nous permettre de déterminer, euh, des, euh, bah, de calculer euh, à peu près euh, nos chances d'avoir tel ou tel enchantement. Si par exemple je prends une pioche, et que sur cette pioche je veux absolument. Alors déjà c'est sympa parce qu'on voit les, les enchantements qui s'appliquent uniquement à tel euh, objet. Donc là j'ai la pioche, et seulement je peux appliquer efficacité, toucher de soi, solidité et fortune. C'est tout. Les autres ne le concernent pas. Donc c'est pas mal pour vous rafraîchir la mémoire sans aller voir le wiki, vous, avez, vous cliquez juste sur l'objet, pouf, vous trouvez tout de suite. Donc craft tool, hein, il se trouve sur Minecraft.tool. Euh, pas craft tool, pardon, j'ai dit une bêtise. Je remonte, Minecraft tool se trouve sur Minecraft.tool slash fr slash enchante sans e.php. Voilà, bon, ouais, si vous travaillez, tra tapez Minecraft tool, j'ai du mal à parler, euh, vous le trouverez rapidement. Donc je vous montre juste comment ça fonctionne vite fait. Donc, là, imaginons que je veux absolument euh, savoir mes chances d'avoir fortune. Je fais recherche et j'ai un graphe qui va s'afficher. Et euh, c'est pas mal parce que, du coup, si je veux fortune 1, on voit que j'ai intérêt à bloquer euh, certaines bibliothèques parce que j'ai plus de chances d'avoir fortune 1 euh, en pariant entre 15 et 20 XP, euh, donc le euh, level d'enchantement là, euh, que euh, sur 25 ou 30. Donc, j'ai intérêt à baisser euh, les propositions. Euh, que me fait la table d'enchantement en bloquant certaines bibliothèques. Si par contre, je voulais fortune 2, j'ai beaucoup plus de chances de l'avoir, 30% de chance, avec euh, 25 level d'XP. Donc là, bah, vous, vous avez vu tout à l'heure, avec une torche, je bloquais, je me mettais euh, à 8%. Euh, à 28, pardon, donc euh, avec deux torches, eh ben, je dois descendre à 25 à tester et j'aurai plus de chances d'avoir Fortune 2 si jamais je ne veux pas Fortune 3. Et Fortune 3, bah, vous voyez, de toute façon, c'est un des meilleurs enchantements. Euh, bah, on a 21,2% 21 de chances de l'avoir, mais c'est que euh, en mode 30 XP. Donc, euh, bah, clairement, euh, vous mettez 15 bibliothèques là. Si vous voulez Fortune 3, déjà, vous n'avez qu'une chance sur 5 de l'avoir. Donc, vous n'allez pas vous limiter. Et euh, bah, si vous faites tous les levels, voilà c'est la courbe noire. Donc ça c'est un des moyens d'utiliser cet outil là. Et vous pouvez aussi voir euh, le... Si vous voulez par exemple le enchanter au level 25. Hop, il vous a fait un autre outil, le créateur. Voilà, au level 25, vous pouvez espérer avoir euh, les enchantements suivants. 66% de chance d'avoir efficacité 3, 55% de chance d'avoir solidité 3, presque 30% d'avoir fortune 2, comme on disait. Euh, toucher de soi à 17% et efficacité 4 à 9,6%. Euh, C'est intéressant parce que par exemple, toucher de soi, euh, on a plus ou moins de chances de l'avoir, et des fois on préférerait avoir Fortune 2 que toucher de soi. Euh, je vous réexplique tout de suite pour, euh, dans la conclusion de l'épisode là où ça devient subtil euh, les, les derniers détails. Enfin voilà, je voulais expérimenter cet outil euh, ainsi que le wiki. Là je ne vais pas détailler parce que ça devient vraiment trop compliqué et chacun va jouer à sa façon. On repasse sur le jeu pour conclure les explications sur les enchantements avec les deux trois dernières subtilités. De retour en jeu, on va donc euh, conclure sur les enchantements. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de la question. Je vous invite vraiment à aller voir les sites internet que je vous ai présentés euh, si vous voulez en savoir plus. C'est vraiment un sujet touffu euh, sur Minecraft. Ils ont euh, ajouté au fur et à mesure du temps, depuis la première version euh, posée par Notch, euh, pas mal de choses sur les enchantements. Donc ça nécessite clairement euh, pas mal de recherches de votre part, mais j'espère avoir dégrossi euh, les grandes lignes pour vous, de façon à éclaircir un petit peu la vision, euh, et notamment répondre à une question qui a provoqué cet épisode. Merci euh, Skyshot de Edge of Simcraft, euh, dans les nouveaux Gentlemen of Craft, de me l'avoir posé. Il m'a demandé, mais pourquoi euh, il y en a qui euh, limitent euh, en mettant une torche les levels J'espère avoir répondu à ta question tout à l'heure. Puisque c'est donc par rapport aux statistiques d'avoir tel ou tel enchantement. Sachant qu'on peut aussi, euh, avec le nombre de lapis, éventuellement euh, conditionner euh, l'enchantement que l'on veut. Puisque là, on se limite volontairement avec un seul... Tiens, pourquoi il me propose Celui-là, je devrais pas pouvoir l'appliquer avec un seul lapis, normalement. C'est étonnant. Ah, je suis en créatif, pardon. C'est pour ça. Je me disais, il y a un truc qui colle pas, mais c'est pour ça. Donc, celui-là et celui-là, je ne peux pas, parce que j'ai mis qu'un seul lapis. Donc, normalement, je serais limité à un enchantement de merde. Excusez-moi du vocabulaire. Fléau des arthropodes. Euh, vous irez lire. <laughs> vous me direz en commentaire ce que vous pensez de l'utilité de fléau des arthropodes. Euh, je pense pas qu'il y ait beaucoup de joueurs qui trouvent ça euh, extrêmement utile, comme... Euh, comme... 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 enchantement. Excusez-moi, j'essaye de faire de la déco en même temps. Voilà, ça, ça va pas bloquer euh, ma table d'enchantement et ça va l'éclairer quand même puisque ce n'est pas entre. Alors, dans les subtilités, déjà, j'ai oublié de le dire tout à l'heure et j'y pensais en allant vous montrer le site internet. Comment on sait que les bibliothèques sont efficaces Eh bien, regardez les petites particules blanches. Il y a comme un peu les textes euh, qu'on a ici. Hop. Là. Euh, je vais vous dire après ce que c'est comme texte. On a des particules qui lui ressemblent qui viennent des bibliothèques, comme si ça alimentait la, ben, la, la table d'enchantement. Donc bah voilà, vous savez que vos bibliothèques sont efficaces quand en sortent ces particules et vont vers la table d'enchantement. Alors toutes n'en sortent pas en même temps, donc euh, si vous voulez être sûr sur sûr, il faut surveiller. Mais sinon, le moyen d'être sûr, c'est de respecter les patterns que nous avons évoqués juste avant. Euh, juste pour l'anecdote, donc c'est quoi cet alphabet là bizarre euh, C'est l'alphabet galactique, m'a-t-on dit sur le wiki. Euh, je ne sais pas d'où ça sort et apparemment on peut le transcrire en caractères normaux en jouant sur les ressources packs, mais ça n'a aucun intérêt parce que ça ne vous donnera aucun indice sur euh, le... les enchantements que vous pouvez avoir. En parlant d'enchantements, pourquoi vous me... Là, ce que je viens de dire devrait vous faire tilt. J'ai dit les enchantements qu'on pourrait avoir, mais bah, là on sait, on va avoir tranchant 3, Bah non. Pas seulement. On est sûr d'avoir tranchant 3 en prenant cet enchantement là, mais comme vous pouvez le voir sur le côté, il y a trois petits points, points d'interrogation. Parce que parfois, quand il y a ça, en level 30, vous pouvez avoir un deuxième enchantement aléatoire. Donc ça peut être intéressant. Euh, ça peut être touché de soi, par exemple. Là, ça pourrait être avec tranchant 3, solidité 3, etc. Mais on va tester. Je suis en créatif, donc ça ne va pas me prendre d'expérience. Si je clique, mon épée a récupéré tranchant 3 et solidité 3. Donc, j'ai bien eu celui qui était convenu, mais j'ai récupéré en même temps Solidité 3. Ça ne marche euh, en général qu'avec euh, les items euh, en level 30. Je vais vous remontrer tout ça tout de suite. Un item pas enchanté. Voilà, on va prendre l'appel. On va retourner ici. Hop. Si je mets ma pelle. Et euh, tac. Donc là, j'ai bien trois petits points point d'interrogation. Ah oui, mais là aussi, hein, mais je suis en créatif aussi, c'est pour ça. Euh, bon. Disons que ça marche aussi, mais euh, il faut euh, que euh, bah, les probabilités baissent en fonction du level que vous mettez. Donc évidemment, si vous voulez les meilleurs enchantements, pareil, level 30, 15 bibliothèques, on en revient toujours à ça. Euh, J'avais mis aussi euh, au sol. Le minerai de lapis tel que vous le trouverez en minant, donc pour pas que vous cherchiez disant à quoi ça ressemble, bah c'est bleu, hein, tout simplement. J'avais mis dans le coffre aussi dans les subtilités euh, le bloc de lapis lazuli. Alors qui lui n'a pas d'intérêt pour l'enchantement, mais vous pouvez avec le lapis euh, ici euh, fabriquer donc dans une table de craft des blocs de lapis. L'intérêt c'est que ça fait 9 euh, lapis lazuli dans un bloc de lapis lazuli. Donc, vous pouvez pour le rangement optimiser beaucoup et vous pouvez aussi évidemment, messieurs les builders, mesdames, messieurs les builders, l'utiliser en décoration. C'est un des rares blocs bleus avec ce côté petit mordoré. Voilà, il y a moyen de se trouver des utilités si vous faites une salle de bain, une piscine par exemple, ça peut être pas mal. Je suis sûr qu'on peut trouver plein d'utilités à ce bloc bleu mordoré. Voilà, euh, qu'est-ce que j'ai encore oublié dans mon coffre à vous montrer Si je voulais vous montrer aussi comment ça marche, les fioles d'expérience, alors pour ça, on va repasser en survie si vous voulez bien. Euh, hop, survival. Donc vous balancez les fioles d'expérience au sol et vous voyez, ça fait des orbes d'expérience. Et vous voyez, hop, je vais balancer un stack. C'est plutôt rentable. Tac tac tac, je suis déjà au level 8. Et vous voyez les ordres d'expérience, c'est la folie, j'en gagne, j'en gagne, j'en gagne, j'en gagne, j'en gagne, j'en gagne, gagne plein. Je suis tout foufou, j'en ai gagné 15 quand même. 16, 17, oh, 18 eh, 18 levels d'expérience avec 64. Donc euh, à peu près 30, euh, il doit falloir deux stacks de fioles, je pense. Voilà, donc j'ai plus de fioles pour vous montrer. Euh, que voulais-je vous montrer encore en subtilité pour euh, terminer Je crois que j'ai fait le tour, j'ai envie de vous laisser aussi découvrir, euh, puis bah, poser vos questions en commentaire évidemment, euh, si vous en avez. Euh, je pense que pour dire ça devrait lui suffire euh, pour l'instant pour euh, alimenter euh, sa réflexion et euh, sa... son bâtiment euh, pour enchanter. Donc je crois que je vais le laisser conclure cet épisode en allant voir un petit peu ce qu'il a construit, euh, puisqu'apparemment, pendant que je parlais, euh, il a construit une... Euh, quelque chose. Allez, je vous laisse découvrir. Sherlock, alors là, j'avoue, c'est beaucoup d'informations pour mon petit cerveau d'un seul coup. Ouh, les enchantements, c'est vraiment compliqué. Euh, bah, moi, pendant ce temps-là, vous venez de le voir euh, en accéléré, j'ai fait un petit peu euh, le décorum pour habiller tout ça. Euh, C'était plus simple. Hein. <laughs> là, j'ai pas tout compris, je crois. Enfin, euh, si, j'ai compris, mais euh, je crois que je vais continuer à appliquer un peu bêtement mon mes, mes 15 bibliothèques, ma table d'enchantement, etc. D'ailleurs, on va aller les chercher. Et puis je vais descendre de mon build, juste vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait. Euh, parce que c'est pas fini. C'était un peu comme la maison champignon, euh, ça prend un peu de temps. Euh, donc euh, l'idée que je voulais prendre, vous l'avez vu en screen au tout début de l'épisode, c'était de faire une sorte de tronc, dans lequel euh, un, un tronc majestueux, genre une souche d'un arbre gigantesque, qui était là avant la grande taïga, donc quand c'était la giant taïga, la méga giant, la, la diplodocus Giant euh, Taïa, je n'ai pas de, de superlatif assez grand pour ce genre de taille. Bref, un arbre super grand. Donc voilà, on a un tronc qui était particulièrement grand. Il doit faire 19, je crois, de diamètre. Et euh, bah, du coup, euh, nos magiciens ont creusé l'intérieur de cette souche et euh, on euh, laissait un peu de bois écorcé euh, parce que voilà ça habillait euh, quelques bûches aussi euh, tout autour et on commençait à habiller l'intérieur de matériaux plus durables comme euh, la pierre et donc ça nous a fait une sorte de petit bâtiment dans un arbre euh, qui va donc être notre maison de l'enchantement euh, tout simplement j'essaye de prendre de la distance pour vous montrer tout ça oh j'ai le son ah oui j'ai mis Là, il est un peu violent le son. Je vais, je vais en reparler vite fait là, quand même, juste avant de conclure l'épisode. Mais voilà, vous avez un petit aperçu de ce à quoi ça donne. C'est vraiment violent. Je vais en parler tout de suite du son, je crois. On va baisser un petit peu les volumes. Vous entendez le bruit des vagues derrière moi. Euh, donc, euh, on va en parler de suite parce que je m'entends plus. Où je vais baisser le volume, mais non, vous allez aussi avoir le son. Alors, je m'écarte des vagues, on va aller baisser ensemble et comme ça on va parler de ce fameux Atmosphère. C'est donc Chucky euh, qui euh, m'en a parlé euh, dans euh, sa première vidéo sur Edge of Sincraft. Et euh, ça, moi ça m'intéresse ce genre de choses. Donc j'ai installé le mode euh, Atmosphère, dont on trouve les contrôles dans musique et son. Voilà, donc euh, bah, je vous laisse, Je vous explique pas comment installer un mode. Hein, vous regardez comment est installé Ripley Mode, vous cherchez Atmosphera et euh, vous appliquez la recette Replay Mode à Atmosphera, euh, vous pourrez l'installer e sans problème. Si vraiment vous galérez trop, vous me demandez en commentaire, euh, je ferai soit un épisode soit j'expliquerai comment l'installer. C'est quoi Atmosphera euh, C'est juste un pack un mode qui va utiliser un pack de ressources de son. Donc pour mettre des sons comme ceci. Euh, par contre, ils sont relativement violents. Alors j'avais déjà baissé le vent à 1%, mais je vois que les vagues, c'est aussi euh, relativement violent. Donc je pense que je vais tous les baisser euh, relativement beaucoup. Donc notamment les vagues. Euh, ça, c'est quoi C'est les feuilles. Ouais, bon, les feuilles, ça, je m'en fous. Euh, tac, tac, tac. On va baisser à... Ouais. Genre, alors 25% c'est ici. Voilà, on va essayer de les mettre... Je pense que je vais tous les mettre à 25%. River flowing. Ah ouais, ça va être... Non, ça va être le, le bruit de la rivière aussi. On va mettre à 10%. Le désert, la nuit, on va le mettre à 25%. La plaine aussi. Euh, les feuilles, bah je verrai ce que ça donne. Les sons de la jungle, 50, on va mettre à 25% aussi. Je voudrais que ce soit pas trop violent pour ne pas vous casser les oreilles pendant un épisode. Euh, hop, 25 à peu près, hein. grâce Rustling 100%. On va, on va laisser ça. Voilà, on va tester, hein, de toute façon. Euh, on va se rapprocher de la mer, voir un peu euh, ce que ça donne. Je voulais donc vous montrer le tronc de loin, mais le bruit des vagues couvrait ma voix. C'était gênant. Voilà, donc là je suis sur une plage, le mode le détecte et balance le son des vagues et c'est un petit peu plus supportable, je trouve. Donc euh, là-bas nous avons notre euh, tronc et euh, je vais essayer de monter un petit peu en hauteur. Je crois que je ne peux pas poser. Ah c'est pénible. Je ne peux pas montrer d'échafaudage là. Ah J'ai pas de vue en hauteur pratique pour vous montrer. J'aurais dû passer euh, en spectateur. Ben, on va le faire. On va passer en spectateur. Quel est le problème Hop, voilà. On passe en spectateur, juste pour faire un petit tour de ce build après tout. Euh, moi j'ai pas beaucoup d'explications à vous donner sur la table d'enchantement. Mais voilà mon tronc avec une maison dedans, ma souche avec un 1, une maison dedans. Je vais faire un peu de décoration, un peu comme j'avais fait pour la maison champignon hors caméra. Euh, les petits détails qui, font, qui donnent un peu de cachet, le cache-misère, comme dirait Aurélien Sama. Euh, je vais rajouter euh, aussi des petites barrières de soutien par rapport au screen, histoire que ça ressemble un petit peu plus au screen. Mais voilà, vous avez le gros œuvre qui est fait. Mon côté maçon est fini. Euh, hop, je recule, je vais repasser en survie et on va pouvoir y ramener euh, donc, notre table d'enchantement euh, tranquillement hop, qui sera quand même plus à son aise dans euh, ce bâtiment euh, que dans la, euh, la bah, là où je vais, l'espèce de truc là, le cagibi, <laughs> le, le placard à balai. Euh, où elle se trouve actuellement. Ah, par contre, je crois que je ne vais pas le faire tout de suite, à moins que... Euh, ah si, c'est bon. Sur ma hache, j'ai touché de soi. Euh, pourquoi Alors, on vient de parler des enchantements. Euh, j'ai donc déjà des objets enchantés. Hein, une hache touchée de soi et euh, une pelle aussi. Ben, c'est pas ça que je voulais faire. Euh, une pelle touchée de soie. Pourquoi j'ai deux, deux touchées de soie Vous rappelez-vous de l'épisode sur la maison champignon Ça permet de récolter euh, les blocs de champignons sans les transformer en champignons eux-mêmes. Donc pour récupérer des blocs euh, parfois comme par exemple si je veux récupérer des feuilles pour faire du cache misère, voilà, il me faut une hache touchée de soie et là je récupère de la feuille de chêne que je peux ensuite poser. Voilà, euh, donc Sherlock vous a parlé de fortune, moi je vous parle de toucher de soi pour conclure cet épisode. Un, un enchantement des plus utiles également. Et là, il va le mettre très utile parce que si je casse une bibliothèque sans toucher de soi, ça redevient des livres et je perds les planches. Alors il faut refarmer des planches pour récupérer, alors qu'avec toucher de soi, je récupère mes bibliothèques directement. Voilà, et normalement j'en ai un stock suffisant. Vous avez vu, j'avais mis aussi les enclumes alors, elles se récupèrent sans toucher de soi. Je vous ferai pas la liste de tout ce qui se récupère avec toucher de soi. Hein. Euh, vous suivez les conseils de Sherlock Vous allez voir sur le wiki, vous allez voir, il y a plein d'informations. Les vidéos ne feront pas tout. À un moment, vous serez bien obligé d'aller voir sur le wiki. On va récupérer aussi nos enclumes. Voilà. Et comme ça, on va pouvoir avoir vraiment fini euh, le. Euh, donc elle, elle n'a pas besoin de toucher de soi, normalement. Voilà. On a récupéré tous nos petits trucs, Ce peut, cette petite cave n'a plus lieu d'être, on va la laisser, mais on ne l'utilisera plus. Il va faire nuit, mince. Et on va passer l la fin de l'épisode caché dans notre souche, dans notre maison du magicien, qui, je vous rassure, prendra un peu de décorum une fois sa fonction première faite. Mais déjà, on met à l'abri tout ça. Alors, si j'étais un magicien, je me ferais sûrement euh, ma petite bibliothèque. Alors vous voyez, j'en ai 26, il en faut 15. Donc ça va. On va en mettre 1, 2, 3, 4, 5. On va mettre donc euh, recommandations comprises sur deux levels. On va déjà en mettre deux comme ça pour faire un peu de décoration. Euh, là, je suis déjà donc euh, 5 x 2, 10 plus. 2 fois 2 4 ça fait 14 il m'en manque plus qu'une déjà pour être optimale bon eh bien on va en mettre ici et ici pour finir un petit peu l'espace enchantement et je vais me garder les huit dans le coffre euh, pour une future décoration hop après tout c'est la maison du magicien la maison du magicien doit forcément avoir des livres un petit peu partout pardon je me trompe de touche hop. Tic, tac 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 on se met bien avec un bloc d'air tout autour. Et donc là, normalement, je dois pouvoir enchanter avec euh, le level max, puisque j'ai euh, 2 x 4, ça fait 8, plus les 10 derrière, ça fait 18. J'en ai trois de trop, mais c'est pas grave, j'entends un zombie qui vient me casser les pieds et les oreilles surtout. Et je vais mettre une petite torche ici, tiens, juste pour le fun. Voilà, donc il faudra que je fasse la petite décoration, le petit home sweet home de notre cher magicien. Mais déjà, je vais pouvoir enchanter mes objets. Et mes armures, sauf que je n'ai que 17 levels. Donc, euh, bah, si ça vous intéresse, la prochaine fois, ce que je peux vous proposer, dites-moi en commentaire si ça vous plaît ou si ça ne vous plaît pas. Euh, C'est un épisode sur les différents moyens de gagner de l'expérience mis en image, de façon à euh, ce que je l'applique dans ma partie en survie de ce guide pour euh, bien progresser. Euh, de façon euh, bah aller au bout euh, de la démarche. Je suis désolé, j'ai un petit creux, je mange quelques baies en vous parlant et en faisant un maximum de bruit euh, évidemment. Je vais vous dire euh, à bientôt bientôt, portez-vous bien, ciao ciao